Maline, mais une bonne nouvelle, les lots. Je vais te dire une bonne nouvelle. Pas contre la yonso. Quand tu prends tout. Mais la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dans ta bouche. Pas contre la yango. Quand tu ne habites pas. C'est ça qui fera. Que le ciel s'ouvre. Que la terre s'ouvre. Alléluia. Amen. Esaou. Esaou. Il avait tout perdu. Mais il a resté avec le Père. Tu as dit ceci. Même quand je fermerai le ciel, je vais priver le rosé contre vous. Mais ce peuple ici qui invoque mon nom, pour eux, j'ouvrirai le ciel. Tu es le peuple qui invoque le nom de Dieu. Et Dieu ouvre le ciel pour toi. Même si la malédiction arrive. Même si tu avais fermé. Comme tu es le peuple qui invoque le nom. Dieu ouvrira le ciel pour toi. Je vais te dire quelque chose ce soir. La parole que nous parlons, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu pries de tout, mais quand tu ne pries pas Jésus, parce qu'à travers Jésus, la Bible dit, nous ferons des exploits. Tu veux faire des exploits? Mon ami, c'est qui? Sikia watoto wako wakulia. Thème nabiso na lobby, tu vivras de ton épée. Notre thème de ce soir c'est nakobika na mopanga na ngai. Où tu réussiras par ton épée. Ou bien nakolonga na mopanga na ngai. Amen. Amen. Awa nabisika to tangi, ici là où nous allons, on allons. Et ça, une histoire, il y a deux personnes. Il y a l'histoire de deux personnes. Histoire haute et colango mingi. Cette histoire, nous l'apprenons souvent et beaucoup de gens les connaissent. Jacob na Esaou. Jacob et son frère Esaou. Et histoire oyo. Et cette histoire. Mais pendant cette prédication. Et pendant ma taille oyo. Donc on s'attardait mingi na vie à Esaou. Nous allons demeurer souvent dans la vie d'Esaou. Parce que souvent, toté à la vie à Jacob. Mais le long de la ligne, tu attardes la vie d'Esaou. Souvent, nous prêchons la vie de Jacob, mais aujourd'hui, nous voulons nous attarder la vie d'Esaou. Ces deux enfants, ils étaient jumeaux. Quand ils étaient dans le ventre de leur mère, il y avait un problème qui s'est opposé. D'abord, il ne faut pas oublier, maman la bango, leur mère, elle était stérile. Après avoir cherché Dieu, Dieu l'a donné deux enfants jumeaux. Alléluia. Gloire. C'est comme une stérile ce soir. Que Dieu est capable de donner deux enfants jumeaux. Mais il y a une seule condition, cherche la face de Dieu. Et quand il commença à se battre, à se heurter dans le ventre, et cette femme cherchant Dieu, Dieu lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Mais parmi les deux nations, le plus petit dominera sur le plus grand. Alors, conflit à bateau mi balé et banda qui outa liboum. Leur conflit, la conflit de ces deux personnes a commencé depuis le ventre. Et quand ils sortaient dans le monde, la Bible précise pendant que cette mère est allée t'accoucher, quand le premier enfant est sorti, c'est qui est Esaou, il a laissé son pied à l'intérieur. Et la Bible précise que Jacob, il a attrapé son chevu. Pourquoi il a attrapé son talon? C'est prophétique, ma campagne. C'est une façon prophétique, cette histoire. Même dans ce monde terrestre, amen. Une personne ne peut pas posséder dans sa tête. Mais pour posséder, il faut que tes pieds piétinent la terre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, partout fleurant la plante de vos pieds, je vous les donne en possession.
Mais Esaou, quand il sortait, il a oublié qu'on possède jamais avec la tête mais avec le pied. Et Jacob, mais Jacob a kangi l'okolo, il a attrapé son pied. Mais il avait compris parce que c'est lui qui allait comprendre posséder la terre. Alléluia. Aujourd'hui, je veux qu'une seule personne qui possède la terre, qu'une seule personne qui possède l'environnement, qui possède son environnement. Et ce qui te trouble aujourd'hui, que ce soit en bas, il y a possession de ta possession. Que tu règnes sur ça, quelle que soit grandeur, quelle que soit sa grandeur. Quelle que soit façon nango, quelle que soit sa façon, quelle que soit nature nango, quelle que soit sa nature, mais aujourd'hui, faut posséder nango. Tu dois le posséder. Et ça na sert ma colonne. Que ça soit sous toi. Et l'histoire bateau mi balé. Et l'histoire de ces deux personnes. Ça arrivait un moment. Ça arrivait un moment. Où? Esaou. Bien étant que grand frère tombe à Botami. Étant que grand frère Esaou quand ils sont venus au monde. À Komaki Nanzala. Il avait eu faim. Il a demandé la nourriture à son petit frère Jacob. Qui était le petit frère. Et Jacob. Rusé qu'il était Jacob. Il a dit à son frère. Avant que je te donne. Droit de naissance. Donne-moi ton droit de naissance. Alléluia. Dieu est vivant. Esaou a répondu. Nakosala nango nini. Qu'est-ce que je ferai du droit d'aînesse? Prends. On donne jamais des choses importantes aux personnes qui sont immatures. Dieu a tellement de bonnes choses pour nous. Mais parfois nous ne le recevons c'est pas. Parce que nous sommes immatures devant la présence de Dieu. Esaou, tu es une grande personne, un grand frère. Mais tu dis, qu'est-ce que je ferai du droit d'aînesse? Alléluia. Dieu est vivant. Je vais te dire quelque chose ce soir. Bien-aimé, il faut savoir faire la différence entre Babylon qui est urgent, entre les choses qui sont urgentes. Et des choses qui sont importantes. Pour Esaou, ce qui était urgent pour lui, c'était la faim. Donne-lui à manger. Mais ce qui était important pour Esaou, c'était son droit de naissance. Amen. Les choses qui sont urgentes, ce sont des choses qui sont présentes. Mais les choses qui sont importantes, ce sont des choses qui peuvent garantir ton futur. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Il y a une femme. Elle a besoin d'argent. Et comme urgent, ça devient urgent. Pour elle. Ok? Elle a vraiment besoin d'argent. Mais elle ne sait pas comment trouver cet argent. Et alors? Et ce qui est important pour elle, sa vie. Mais le quoi ça qui a besoin est loco. Mais comme elle avait besoin de quelque chose, elle a vu un homme apparaître devant elle. Il a beaucoup d'argent. Mais cet homme, il est malade. Pour elle préfère qu'elle puisse avoir l'argent, qu'elle achète deux voitures, que les gens le connaissent. Mais elle est en train d'oublier ce qui est important pour elle, c'est sa vie. Comme elle brûle l'importance, elle part ce qui est présent, elle va avoir la maladie. Et demain elle va pleurer. C'est pour ça que c'est arrivé dans la vie d'Esaou. Il voulait juste ce qui est présent à la fin finisse. Mais il oubliait
qui gardait sa vie, gardait la chose qui peut garantir son avenir. Je vais conseiller quelqu'un ce soir. Bien-aimé, ce qui vient présent, bien-aimé, il faut bien examiner. Il faut bien examiner la chose. Luca a examiné en bien. Cherche à bien examiner est-ce la chose. Est-ce que comme il est au présent? Si ça arrive au présent. Et qu'on peut garantir futur na yo. Est-ce que ça peut garantir ton futur ton lendemain? Tu veux qu'on garantir futur na yo. Si ça peut pas garantir ton lendemain. Tika. Laisse. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que tu vis. Amen. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Oh, entre tes mains, ma vie dans ces temps et éternité, j'essaie. Yeba, qu'on la différence. Sache de faire la différence entre ce qui est important, entre ce qui est important et ce qui est urgent. Alléluia. Dieu est vivant. Et la Bible nous dit, Isaac a commis vieux. Il devient vieux. Isaac a commis vieux. Isaac est devenu vieux. Et c'est là qu'il a pambola. Il devait bénir. Alléluia. Amen. On bénit toujours le premier enfant. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, esengeli mwana liboso azwali pamboli. Il faudrait que le premier enfant reçoive la bénédiction. Parce que yenda zali héritier. Parce que c'est lui qui est l'héritier. Et na misu ya Isaac. Et devant Isaac. Moto akoye kozwali pamboli. La personne qui est appropriée de recevoir la bénédiction, c'est Esaou. Et Isaac a dit à Esaou. Yebelo komoko. Sache une chose. Quand Isaac pensait bénir ses enfants, la Bible précise Isaac ne voyait plus rien. Il était aveugle. Mais il voulait bénir ses enfants parce qu'ils arrivaient à la terme de sa vie. Et la bénédiction d'Isaac, c'était conditionné. Il faut que tu prépares pour moi afin que je mange. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible précise Isaac, quand Isaac Esaou, quand il parlait avec Esaou, Rebecca Ayokaki. Elle a écouté. Maintenant Esaou a yé. Et après Esaou est venu. Maintenant tolingi to banda siko mateya ya Esaou. Amen. Amen. Là on va commencer la prédication. Esaou a yé. Esaou est venu. Il a demandé à son père, il n'y a pas une bénédiction pour moi. Bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Bénédiction. Ton frère a tout pris la bénédiction. Alléluia. Parce que tu n'étais pas sage au début. Écoute un peu. Et pour Esaou, on l'a dit ceci. Bénédiction qu'on donne Esaou, c'est ceci. Je ferme les cieux pour toi. Je ferme la terre pour toi. Ton ciel sera fermé, ne donnera pas de rosée. Il n'y aura pas la pluie sur ton ciel. Sur ta terre. Il n'y a pas de production. Et puis, tu seras sous la domination de ton frère. Ça, c'est une bénédiction ou une malédiction? Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, on est ici sur place. On est en train de souffrir. Parce que. Parce que notre ciel est fermé. Il n'y a pas de pluie. Notre terre, c'est stérile. Ça ne produit même pas. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Ma situation est difficile à Mokili. Beaucoup de situations difficiles du monde est sur toi. Aujourd'hui, tu es en train de se satisfaire dans ces lieux comme Esaou. Où son père a fermé le ciel. Et son père a fermé la terre. Dis-moi, une telle personne, même s'il fournit plein d'efforts, comment il va réussir sa vie? Bien-aimé.
Pourquoi? Bien-aimé, tu peux travailler à gauche où les autres réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce que l'icolo na yo. Parce que ton ciel est fermé. Ton ciel ne répond jamais. Même si tu as mis un peu de temps, tu as sali, tu as succès, tu as réussi. Mais tu as mis. Même des petites choses que les autres font pour réussir, qui réussissent enfin. Mais toi, quand tu essayes, ça ne tient même pas. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi vous êtes 10 dans l'église? Vous pouvez venir 10 à l'église. Bon de l'Ilibino 10. On prie pour vous 9 les 10 personnes. 9 sont guéris. Yo bikite. Toi, tu guéris bien jamais. Bien aimé, il y a un problème entre ma belle na yo, na likolo na yo. Bien aimé, il y a un problème entre ton ciel et ta terre. Parce que. Parce que la Bible précise, on est béni dans la richesse céleste et terrestre, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais, ce qui y a, mais si toi dans ton camp et que ton ciel est fermé, ma belle na yo, que ta terre est fermée, bien-aimé, tu vas te limiter où? Beaucoup de gens aujourd'hui marchent avec la malédiction que les parents ont prononcé sur eux. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui marchent avec la malédiction que les gens ont prononcé sur eux. Et le ciel est fermé. La terre refuse de produire. Tu es comme un désert. Que la pluie ne tombe jamais. Vous savez pourquoi au désert la pluie ne tombe pas? Parce que le désert. Parce que le désert. Parce qu'il donne pas le ciel de l'eau. Parce que le désert m'a exalté. Dans le désert il n'y a pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il va donner le désert? Il n'y a que le sable. Il y a kokangama, mabele, désert. Donc au-dessus c'est fermé, en bas c'est le désert. On a dit à Esaou, ton ciel s'est fermé. Ma belle, ta terre éco-produire-té. Ne va pas produire. Qui a cette situation aujourd'hui, ce soir? Je veux que tu te considères comme Esaou. Que le ciel est fermé, que la terre ne produit pas. Depuis que tu as commencé tes traitements, tu ne guéris pas. Tu changes des églises en églises et tu ne vois pas la solution ni la guérison. Tu changes des impositions de main, il n'y a de rien qui change. Mais je veux que ce soit que je t'apporte la bonne nouvelle. Comment tu peux faire afin que le ciel tout s'ouvre, même si ça a été maudit, que ça s'ouvre, même si la terre que ça produise. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Dieu vivant. C'est possible. C'est possible. Que l'icolo na yo ezaya kokangama. Que ton ciel qui était fermé. Ma belle no ela qui maudit. La terre qui était maudite. Changé. Que ça change. C'est possible. C'est possible. Bible la Bible. La Bible dit ceci. Isaac. Isaac. Isaac a refusé de donner à Esaou la bénédiction. Il a maudit Esaou. Mais une chose, il a oublié de prendre chez Esaou. C'était le père d'Esaou. Alléluia. Dieu est vivant. Osa maudit. Tu es maudit. Mais le père, ça peut te servir pour vivre. Pour vivre. Alléluia. Dieu est vivant. Au moins dans le temps de Genèse 33. Vous voyez quand nous avons lu au Genèse 33. La Bible précise. Quand Jacob venait. Quand Esaou se présentait devant Jacob. Quand Esaou se présentait devant Jacob. Il avait 400 travailleurs. Il avait 400 travailleurs. Moi, 400 travailleurs. La personne qui a 400 travailleurs. C'est-à-dire. Asa béni. Il est béni. Quand Jacob, il est venu avec des cadeaux pour donner Esaou. Esaou l'a dit, garde ça pour toi. Moi que tu as vu aujourd'hui, je suis dans l'abondance.
Alléluia. Tu es vivant. Je suis plus la personne que tu connaissais, que le ciel était fermé, mais je suis dans l'abondance. Le Père a dit que le ciel est fermé. Mais tu vas réussir à cause de l'épée. L'Éphésien dit, prends l'épée de l'Esprit, prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de Dieu. Je vais te dire une bonne nouvelle. Quand tu prends tout, mais la parole de Dieu, que la parole de Dieu dans ta bouche, quand tu ne traduis pas, c'est ça qui fera que le ciel s'ouvre, que la terre s'ouvre. Alléluia. Amen. Esaou, il avait tout perdu, mais il a resté avec le Père. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tous les gens qui t'ont maudit, l'erreur qu'ils ont fait, ils n'ont pas fermé ta bouche. Ta bouche, ils ont laissé. De ta bouche, tu vas parler. Qui est le Père? La Bible dit, scelle tes paroles dans ton cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin que je pêche pas contre toi. Gardez la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça a la capacité d'ouvrir. Là où c'était fermé, la parole de Dieu. Ça a la capacité de ramener l'impossible. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur toi. Tu es une personne. Tu es une personne de force. Tu n'es pas derrière la clé. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que la parole de Dieu, c'est dans ta bouche. Tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole, je mettrai dans ma parole ta bouche. Dans mon okolayo. Alléluia. Tu es vivant. Bien-aimé, est-ce que tu as la parole dans ta bouche? Je veux que tu changes le monde. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que tu as la parole qui peut changer ta vie? La Bible est précise. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit ceci. Écoute, on a fermé les eaux, les ciels. On a fermé cette terre. Mais la Bible est précise. Le ciel et la terre passeront. Nicolas Ayako Kangama. Passeront. Passeront. Mais ma parole. Mais ma parole ne passera jamais. Amen. Encore ici. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu es la malédiction. Amen. Encore ici. Tu vas réussir. Parce que la parole. C'est entre ta bouche. Alléluia. Dieu est vivant. N'accepte pas que personne te maudisse, car la parole de Dieu est entre ta bouche. Dieu dit à Jérémie, je mets la parole dans ta bouche. Pourquoi? Pourquoi? Afin que on détruire, qui tu détruises, ceux qui te détruisent. Alléluia. Dieu est vivant. Afin que tu détruises. Au Longola, épine. Afin que tu enlèves les épines qui marchent sur ta terre. Et pour yo, on réussit. Afin que toi tu réussisses. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Bakanga likolo. Confirme le ciel. Bakanga mabele. Confirme la terre. Maudit. Qu'on te maudisse. Mais l'iloba. Mais la bouche, la parole reste. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Pour permettre de ne permet pas le paix ennemi que le paix de l'ennemi ennemi, que la parole de l'ennemi est bon maillot qui t'a te tue. Parce que Yosé est l'homme le puissant. Toi, tu as la parole qui est puissante. La Bible dit qu'elle soutient Dieu, toute par chose, sa parole puissante, tout le monde par sa parole puissante. Moi qui les simbami, le monde est soutenu l'obaya, par la parole de Dieu puissant. Est-ce que tu as la parole qui te concerne? Qui te concerne? Par rapport à la situation aux hommes. Par rapport à la situation que tu portes. Je sais, tu es là. Je sais qu'on plaire.
Je sais qu'on est dans des difficultés, des souffrances. Qu'on est dans des maladies. Esaou a apporté même situation. Esaou a apporté la même situation. Mais le paix. Le paix. Et tigalek na maboko Esaou. C'est resté entre ses mains. Alléluia. Dieu vivant. Mais le but qu'on permet, j'ai dit que ne permet pas. Le paix ennemi. Que le paix de l'ennemi. Des bon maillot. Que ça t'ait tué. Bible le biboye. La Bible a dit ceci. Goliath. Goliath. Azos. Goliath avançait devant Israël. Avec le paix. Avec des javelots. Pour tuer David. Mais la Bible précise. David. Dans sa bouche. Il avait. La parole. Il a dit marche devant moi. Avec le javelot, avec des javelots, mais moi, je marcherai devant toi, au nom de l'Éternel, de l'Éternel, désarmé. Et quand Goliath est tombé, il a coupé la tête de Goliath avec le paix. Ne permets pas que le paix l'ennemi te tranche. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, bien-aimé, Nalobi, j'ai dit, Dilobanini. Quelle parole qui te concerne dans la Bible. Tu es malade. La Bible dit quoi dans ton sujet, à ton sujet. Tu es stérile. La Bible dit quoi à ton sujet. Tu es maudit. La Bible dit quoi à ton sujet. Les enfants ne marchent pas bien. La vie des enfants ne s'améliore pas. Qu'est-ce que la Bible dit à ton sujet? Nous réussissons pas parce que nous savons pas qu'est-ce qui a été dit pour nous, pour notre sujet. Dieu a dit à Josué. Josué. Le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. En réalité. Dieu disait à Josué. En réalité, il pouvait dire à Josué. Josué. Que la livre, ce livre ne quitte pas tes yeux. Parce que c'est pas la bouche qui va lire, c'est les yeux. Mais comme Dieu. Il a compris. Et ce qu'il a dit. Pouvoir y a vie. Pouvoir de la vie. De la mort. Sont en notre langue. C'est pourquoi il a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ça jour et nuit. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Si tes ennemis s'approchent, parle pour le vaincre. Si la maladie arrive, parle pour vaincre la maladie. Écoute une chose. La Bible dit ceci. Dans Genèse, je vais dire une chose. Ça se fait qu'une fois le ténèbre. Le ténèbre parfois n'a pas peur de l'esprit de Dieu qui est en nous. Parce que vous avez banga. Mais si ça avait peur. Moi j'allais pas avoir de problème. Mais le ténèbre arrive parfois. La Bible précise. Au commencement. Mokili. La terre, le monde n'avait pas de forme. C'était vide. Les ténèbres. Et le ténèbre couvrait toute la surface de la terre. Vrai ou faux? Vrai. Mais l'Esprit de Dieu était présent. Mais le ténèbre couvrait toujours la terre. Et arrondit la terre informe et vide. L'Esprit de Dieu qui est sur toi. Mais le ténèbre azo rendre yo te rend informe et vide. Zambatali. Dieu a regardé la terre, le monde qu'il a fait. Le ténèbre a détruit. L'a rendu informe et vide. L'Esprit de Dieu est là. Dieu a dit non. Il faut que je parle. Il faut que je parle.
Il faut que Dieu dise. Dieu dit. Lumière est là. Que la lumière vienne. Et Bible le dit. Et la lumière est là. La lumière fut. Et les ténèbres qui et la lumière et les ténèbres partis. Mais je vais déclarer sur ta vie. Que la lumière vienne dans ta vie. Que les ténèbres fuient ta vie. Que la maladie quitte ta vie. Que la guérison vienne dans ta vie. Que la stérilité quitte ta vie. Que la fécondité vienne dans ta vie. La malédiction quitte. La malédiction arrive. Je maudis la personne qui t'a maudit. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Je venis dans le temps où maintenant c'est le temps de déclarer sur ta vie. Afin que ma cambo bouge. Afin que les choses bougent. Alléluia. Dieu est vivant. Déclare Nicolas Finayo. Déclare sur ta vie. On a prophète ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Déclare maloba malam doaba nayo. Déclare les bonnes paroles sur tes enfants. Afin que l'ongwa. Afin que de malédiction parte. Secret miracle. Le secret du miracle. Et fondi na liloba. C'est réside dans la parole. Si ça se parle, le miracle arrive. Si ça se parle, la malédiction quitte. Si tu ne parles pas, tu vivras le ténèbre. Parle. Que le paix ne s'éloigne pas de ton main. Parce que tu vivras de ton épée. Dieu a dit ceci. Même quand je fermerai le ciel, je vais priver le rosé contre vous. Mais ce peuple ici qui invoque mon nom, pour eux, j'ouvrirai le ciel. Tu es le peuple qui invoque le nom de Dieu. Et Dieu ouvre le ciel pour toi. Même si la malédiction arrive. Même si Dieu avait fermé. Comme tu es le peuple qui invoque le nom. Dieu ouvrira le ciel pour toi. Je vais te dire quelque chose ce soir. La parole que nous parlons. C'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on te prive de tout. Mais qu'on ne te prive pas Jésus. Parce qu'à travers Jésus. La Bible dit. Des exploits. Nous ferons des exploits. Exploit. Tu veux faire des exploits? Exploit. Tu veux faire des exploits? Jésus. Tu feras avec Jésus. Parce que c'est lui qui est la parole. La Bible précise. Tout le monde s'est écrit par la parole. La parole a revêtu la chair. C'est ça Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Ne mets pas ton Jésus à côté. Cherche à être en règle avec ton Jésus. Afin que quand les malédictions viendront, que ton Jésus, que la Bible dit, il s'est fait malédiction afin que toi tu sois béni. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu t'attaches à la malédiction? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, nous allons prier. Sur sa parole. Sur sa parole. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu avais péché comme les disciples de Jésus. Professionnel n'a pêche. Si tu avais péché comme les disciples de Jésus, professionnel en pêche. Mais la Bible précise. Utouana, mais cette nuit-là, bah, ils n'ont rien reçu. Parfois tu travailles par tes efforts. Parfois tu travailles par ton intelligence. C'est pourquoi tu ne reçois rien. Mais Jésus. Mais je te dis Jésus. Il vient devant toi. Il te dit. Avance encore. En pleine eau. Peut-être tu étais juste au début. Mais le temps est là. Comme Jésus est là en toi. Avance. Avance. En pleine eau. Et les disciples ont dit, les poissons ces terres ne sont pas là. Jésus a dit, jette ton filet.
Maintenant, va jeter. Pas avec notre intelligence de la pêche. Mais on va jeter sur ta parole. On va jeter le filet sur ta parole. Dans l'eau. Avant, on jetait dans l'eau. Mais maintenant, sur ta parole. On va jeter sur ta parole. On va jeter le filet. Sur la parole de Dieu. Quand tu jettes le filet sur la parole de Dieu, il y a le miracle qui se produit. Quand tu pries aujourd'hui, sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ont créé ma trompe. Ça crée des trompes. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ont créé ma matrice. Ils ont créé ma matrice. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ont changé ma couleur et Jacobin. Ça change le sang qui est abîmé. La parole de Dieu. Ils ont enlevé la stérilité. Enlève la stérilité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils ont enlevé la malédiction. Ça enlève la malédiction. Les lotobois cassent la parole. Aujourd'hui, jetons sur la parole de Dieu. Lèvons-nous au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Moto Moko a révolutionné l'esprit naï? Est-ce qu'il y a eu une personne qui a révolutionné son esprit ce soir? Qu'est-ce que tu y as entre tes mains? Le banazana est paix. Dis que j'ai le paix. Nazana est paix. J'ai le paix. Ozana nina maboko na yo. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Nazana est paix. J'ai le paix. Alléluia. Dieu est vivant. Mutu mwa yemba galbi o yako papa, papa. Quelqu'un a chanté ici, ce qui doit être coupé doit être coupé. Mais maintenant, donc on va utiliser ensemble baguette à Jérémie. On va utiliser ce que Dieu a dit à Jérémie. Sera Sergotan à Jérémie 1:9. Sera Sri, tu peux lire Jérémie 1:9. Dans la prépasse que tu as bondé là. Pendant que tu es là, considère comme si tu as une épée dans tes mains. Jérémie 1:9. C'est bon? Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici. Voici. Je mets mes paroles. Dans ta bouche. Dans ta bouche. C'est là. Loba sikoyo. Voici l'Éternel a mis sa parole dans ma bouche. Voici l'Éternel a mis sa parole dans ma bouche. Avaler, mais pour... C'est pas pour avaler, mais pour faire sortir. Alléluia. Continuez. Voici maintenant l'Éternel a mis sa parole dans ma bouche. Voici maintenant l'Éternel a mis sa parole dans ma bouche. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Yo m'a établi, ça y était dans les nations, mais sur les nations. T'on t'a pas établi dans les nations, mais sur les nations. Alléluia. Oye qui n'a pas quitté pour aller dans le monde, mais sur le monde. Tu n'es pas venu sur la terre pour être dans le monde, mais sur le monde. Si on est dans le monde, ma problème au Kili, Ezayo. Mais c'est sur le monde, ma Kamboua, ma problème au Kili. Et tel y'a été pour ça sur le monde. Si tu es dans le monde, le problème du monde te concerne. Mais si tu es sur le monde, le problème du monde ne te concerne alors, pas. Alors, Zambalobi a établi Rio, non dans le monde, mais sur le monde. Et Dieu confirme ce soir qu'il t'a établi, non dans le monde, mais sur le monde. Zambalobi a bon moyen qui est dans mon kilio. Et ça n'a pas royaume et belé. Et ça n'a pas gouvernement belé. Et ça n'a pas autorité belé. Et ça n'a pas domination belé. Amen. Quand la Bible parle de ceci, il faut savoir une chose. Dans le monde, il y a beaucoup de royaumes, beaucoup de gouvernements, beaucoup de pays. Et mais yo, osana royaume yo, au Bible lobby, domination mon côté, et osala l'icolona yo. Mais toi, tu es dans le royaume où la Bible précise aucune domination sera sur toi. Oui, ok. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Et sur le royaume, pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Obéissa. Pour que tu bâtisses. Pour que tu tongas. Et que tu plantes. Planter. Alléluia. Dieu. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimés.
bien-aimé, Bondela, comme tu n'as jamais prié. Prie comme si tu n'as jamais prié. Alléluia. Car pas problème na yo, ça te concerne, ça ne me concerne pas. Car tes problèmes, mes ça problèmes, te concerne. Ça me concerne. Ça me concerne je pas. Je pleure seul dans ma chambre avec mes problèmes. Mes problèmes, ça me concerne. Je pleure seul yo dans ma chambre. Yo seul dans ta chambre avec tes problèmes. Toi aussi, tu pleures seul dans concerne. Ta chambre. Le ça te concerne. Aujourd'hui, je t'ai appris comment tu peux ouvrir ton ciel. Afin que tu sois béni comme Esaou était béni. Et tu as la parole dans ta bouche. Et tu as la parole dans ta bouche. Je veux que tu commences à dire ça. Commence à détruire ce qui a été parlé sur toi. Prie vraiment très fort. Si tu dois marcher dans le salle, tu peux marcher. Tu peux prier. Commence à détruire les murs qui est comme des Goliaths et des obstacles devant toi. Commence à détruire les obstacles qui sont devant toi. Commence à détruire la maladie. Commence à détruire toutes choses au nom de Jésus. Parce que la bouche est entre tes mains. Parce que le paix est entre tes mains. Tu réussiras par ton épée. Rapaché teke Alléluia. 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 Bochete ke baba. Yende bochata. Reba sheke reba. Bien-aimé Yoka. Bien-aimé, écoute. Dosobon de l'ensemble siko. Nous allons prier Dieu maintenant. Malédiction. La malédiction. Ce sont des paroles qui sont prononcées sur une personne. C'est pourquoi ces paroles lient la vie d'une personne. Je veux que tu regardes dans ton entourage. S'il y avait de mauvaises paroles qui étaient dites sur toi, maintenant tu vas commencer à poursuivre ces paroles. Et commence à détruire ces paroles. Comment détruire sa force? De paroles qui étaient dites. Qui étaient dites sur toi. J'ai réussi. Si on avait prononcé que tu vas mourir, déclare maintenant que tu vas mourir. Détruis l'efficacité de cette parole. Commence à détruire. Commence à détruire. Au nom de Jésus. Maintenant détruis malobagino sur le mamaki.
bobo sokoli abakanda bagira baba 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 Namboka. Élisée est entré à Jéricho. Balobinaye. On l'a dit. Séjour y a ville les a bien. Le séjour du pays est bien. Mais maïs ont produit la mort. Mais l'eau du Jéricho produit la mort. La Bible précise. Élisée. A kendaki na source y a maïs à Jéricho. A pris le plateau neuf est allé aux sources. Mais avoir qui mungwa. Il a jeté du sel. Mboke bonga. Afin que l'eau soit purifiée. Afin que la mort soit mungwa quittée. Mungwa boke lobana zambe. Le sel était la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que la source de ta famille dans le sikoyo? Va dans le source de ta famille. Pendant qu'on détruit malédiction de Salamaki. Commence à détruire la malédiction de la source. Mais si ta malédiction est là, si on a écrit ton nom dans la source, vois comme une bouteille que tu pars casser. Je veux que tu pars casser les sorciers de ta famille. Pars casser. Lors des marabouts, on reste dans la vie. Va te détruire au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na ngomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malamu.